C'est le département qui a organisé ici un concert dans le cadre des Heures Vagabondes avec Bernard Thomas, l'orchestre de Bernard Thomas. Et à l'issue de ce concert, Bernard Thomas nous a dit qu'il y avait un très grand musicien qui était dans la salle, que nous avons rencontré, qui s'appelle Christos Michalakakos et qui a trouvé le lieu tout à fait séduisant. L'acoustique est excellente partout dans cette pièce. On voit de partout toujours aussi bien. On pense qu'on entend mieux dans les premiers rangs. On entend très très bien au fond. Donc c'est très agréable. Et les artistes insistent beaucoup là-dessus. Le festival s'est monté, s'est enrichi. Au lieu de 2 jours, samedi, dimanche, on a fait 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Les plus grands interprètes français sont venus là. Donc cette année, au niveau du programme, tout le monde aime un peu entendre des choses qu'on connaît déjà, mais lui aime bien glisser quelques œuvres méconnues pour surprendre. Comme musiciens, nous avons aussi encore des grands musiciens. Donc il y a trois pianistes qui vont se succéder. Vendredi, ce sera Emmanuel Strosser. Samedi, ce sera Claire Désert. Et dimanche, ce sera un nouveau pour nous au festival, mais que nous aimons beaucoup, beaucoup et que nous voulions faire venir depuis longtemps, qui s'appelle Adam Laloum. Voilà, qui sera là pour les 2 concerts du dimanche. Alors, à côté de ces pianistes, il y a un violoniste qui sera là tout le temps, c'est Régis Pasquier. Bon, c'est aussi une des bases du festival, Régis Pasquier. Et la violoncelliste sera Anne Gatinel, qui viendra vendredi et samedi, qui ne pouvait pas rester dimanche. Et dimanche, ce sera Pidou, notre Roland Pidou, qui est aussi un des piliers du festival, qui viendra au violoncelle. Et puis, comme soliste invité, il y a Bernard Cazoran, le contrebassiste, parce que c'est en même temps un excellent musicien et il a une présence en scène qui est extraordinaire. Il peut être très amusant. D'abord, il a le physique un peu de Groucho Marx, et il fait rire tout le monde en même temps qu'il joue merveilleusement bien de la contrebasse. Cette année, nous avons repris cette formule de faire 2 concerts le dimanche, séparés par un petit goûter gourmand qui sera normalement, s'il fait beau, servi dans le jardin. Ce qui caractérise le festival, c'est que, c'est ce que nous disent les spectateurs, des endroits où on écoute de la très bonne musique classique, il y en a beaucoup. Mais il y a une atmosphère très chaleureuse, due bien sûr à notre directeur artistique qui est grec, donc qui présente toujours les œuvres avec humour et qui met de l'ambiance. Voilà, donc c'est quelque chose qui est décontracté et de bonne humeur.